Bonjour, je m'appelle Gilles Quinsat, je suis éditeur à l'Encyclopédia Universalis et je m'occupe plus particulièrement des domaines de l'art et de la culture. Ce métier d'éditeur consiste d'abord à un travail soutenu avec les auteurs pour favoriser la création ou le développement d'une encyclopédie. La première phase de ce processus, c'est évidemment le contact avec les auteurs. Après quoi, le texte entre dans une chaîne de fabrication qui va compter aussi bien la correction, la recherche iconographique, la vérification de toute une série de données, au terme duquel il pourra finalement être mis en ligne. L'information à l'état brut, comme on la trouve souvent sur Internet, n'est pas satisfaisante. Elle a besoin, au contraire, d'être reprise, d'être expliquée. Et ça, c'est justement tout le travail, je dirais, d'un éditeur d'encyclopédie. Le but du travail encyclopédique, c'est aussi d'arriver à proposer une information qui soit aussi objective que possible. Soit en s'adressant à des auteurs qui sont en général quand même de très bons spécialistes dans leur domaine, soit aussi en procédant nous-mêmes à un travail de vérification et de questionnement ou de dialogue avec les auteurs. Et ce que fait l'encyclopédie depuis 50 ans maintenant, c'est cet accompagnement du savoir vers des publics qui eux-mêmes ont changé, qui se sont diversifiés, et donc en arrivant aussi à chaque fois à tenir un langage de connaissance qui puisse être entendu par ces publics.